Aujourd'hui, je dois finir Minecraft, mais les mobs sont géants. Ah non, c'est pas une blague, ils seront tous gigantesques. Tiens, prenez exemple sur ce creeper, vous voyez, il est tout à fait normal. Et boum, maintenant je le mets en géant, regardez-moi ça. Même ces explosions sont géantes et plein de choses qui sont avec. Ah, je sens que je vais galérer. En tout cas, les gars, boum, voici la liste des derniers beaux gosses qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Si tu veux apparaître sur cette liste, bah t'as juste à t'abonner. Hop, voici la liste des derniers membres de la chaîne. Un grand merci à vous. Et d'ailleurs, j'ai ouvert un Discord, n'hésitez pas à le rejoindre si vous avez un compte. Je veux vraiment faire agrandir ma communauté sur Discord. Des vidéos dans lesquelles vous pourrez participer se passeront là-bas. Donc vous avez le lien dans la description. Et sur ce, on peut commencer la vidéo. Ok, me voilà directement en jeu. Et j'ai directement spawn sur un arbre. Bah, j'ai vraiment pas beaucoup de chance là. Bon, je vais essayer de faire un saut et de sauter sur la liane ici. Oh, ok, là je me suis attrapé ici. Maintenant je descends. Hop là, let's go. Bon, on a un petit peu de pastèque. Pourquoi pas, on les prend. What? Attends, pourquoi les items sont hyper grands comme ça? Attends, quoi? Attends, quoi? Mais c'est quoi ça, les gars? Mais ils sont gigantesques, les mobs. Je suis mort. Non mais regardez-moi ce mouton au-dessus là. Il est gigantesque. Non mais regardez-moi ce poisson et ces poulpes là. Non mais c'est quoi ce bordel? Il y a des poules géantes en plus. Non mais qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Non, j'en peux plus là. Bon, on va faire comme si de rien n'était. On va couper du bois directement. C'est parti. Bon, j'ai 11 bûches, ça devrait le faire. Ok, on a un petit peu de cale à sucre ici. Oh, mais pourquoi les items sont géants comme ça? Bon, vous savez quoi, on va pas perdre de temps, on va directement se faire des outils en cobblestone. Vous connaissez la chanson? Une petite pioche. Et c'est parti, on récupère de la pierre. Une pioche, une épée, une hache et même une pelle. Attendez, mais regardez-moi tous ces mobs là. C'est quoi ces mobs ultra géants là? Mais j'en peux plus. Bon, allez les pics, venez, donnez-moi de la bouffe directement. Allez, hop, j'en veux un max. Boum, 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 bim, bim, bam, bim. Bam, boum, boum. À mort les géants, let's go. Les gars, j'étais tranquillement en train de tuer les mobs quand tout à coup, il y a ça qui est arrivé. Je sais pas trop ce que c'est, mais je pense que c'est un truc qui se drop sur les mobs uniquement qui sont géants. Attends une petite seconde, mais ils sont tous géants en fait. Du coup, je me demande bien, est-ce qu'on peut crafter quelque chose avec cet item directement? Et je regarde à l'intérieur de ma table de craft et pour le moment, je ne vois rien. Bon, j'ai vu sur la page du mod qu'il y a un craft avec ça. Je vous le mets directement à l'écran, boum. Voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je sais pas ce que ça fait, mais on verra directement. Il me faut absolument ce craft, je pense. Et il fait déjà nuit. Et comme vous le voyez, il y a déjà des squelettes géants juste ici. Ça me dit rien qui vaille. D'ailleurs, il y a un creeper géant ici. Là, j'ai envie de le faire exploser pour voir qu'est-ce que ça fait. Est-ce que le fait qu'il soit géant, bah, il fait une plus grosse explosion? On va voir ça directement. Je vais... Waouh! Ok, donc là, il fait une explosion ultra géante. Heureusement que je suis pas mort, j'ai failli mourir. C'est la pire idée que j'ai eue. Bon, il faut que j'essaie de récupérer 9 petites Pokéballs là. Je sais pas comment ça s'appelle. Une giant orb. Bon, bah, c'est parti. Let's go. On essaie de tous les tuer. Ok, j'ai enfin toutes les Pokéballs. Et d'ailleurs, j'ai tellement marché que bah, je suis tombé sur un village. Non, mais regardez tous les mobs et les villageois qu'il y a autour. Ils sont tous gigantesques. Mais c'est quoi ça? Bon, c'est parti. On va se crafter l'item spécial. Hop, 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 hop. Boum, on a un giant chunk. On va le prendre dans les mains. Je sais pas qu'est-ce que ça fait. Est-ce que ça fait quelque chose? Non, pour le moment, ça fait rien. Je fais clic droit, ça fait rien du tout. Si j'essaye de le placer sur un mob, bah non, ça fait rien du tout. Si je donne un coup avec, bah non plus. Peut-être qu'il faut que je le jette sur un. Non, ça fait rien. Bon, pour le moment, je sais pas du tout à quoi ça sert. Mais bon, on va se prendre directement de la bouffe. On a du pain illimité. De toute façon, on est dans un village, on est obligé de faire ça. Non, mais regardez la taille des villageois. Non, mais c'est quoi ça? Est-ce qu'ils vendent plus de trucs du coup? Eh non. Oh, le Iron Golem, ça attaque des titans ou quoi là? Bon, j'ai récupéré tellement de bouffe bah, que je peux faire cuire ma bouffe. C'est parti, on va faire ça directement. Je vais jeter un peu les trucs inutiles. Hop, 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 hop. Bon, j'ai encore regardé dans la page du mod. Il y a un autre item qu'on peut crafter du coup maintenant avec le Giant Chunk. Le craft s'affiche directement. Boum, voilà, directement, c'est comme ça. Bon, le craft, il est hyper compliqué. Il faut déjà 2 diamants. Mais pour le faire, ça devrait le faire. Oh, ça rime. Bon, je vais récupérer encore un peu de bois parce que du coup, j'ai tout mis dans mon four. Désolé les villageois, je casse votre village. D'ailleurs, je vais prendre le lit avec moi, hop, et on va tuer ce foutu golem. Attends, mais attends, ouais, mais attends, mais le golem, il est géant là. Je sais pas, mais je crois que je peux pas faire 3 de hauteur, ça sert à rien, il va quand même me taper. Bon, on va essayer. Oh, on le touche d'ici. OK, parfait. On a une distance de frappe un peu plus longue. Du coup, c'est parfait, on peut tuer l'Iron Golem, mais j'ai l'impression qu'il peut me toucher à tout moment. Meurs. Parfait. Alors, dis-moi qu'on en a 5. OK, on en a eu que 3. Bon, je pense qu'on n'aura pas d'autre choix que d'aller miner. Non, mais vraiment les villageois sont hyper grand, je suis choqué. On dirait vraiment l'attaque des titans. Et d'ailleurs, il y a un lac de lave qui a complètement détruit toute une maison. Bon, force villageois, moi je vais dans la forge, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le coffre ici. Ok, on a une épée en fer, une pioche, encore 3 de fer et un stuff. Hey, il me manque plus beaucoup de choses pour me faire un full fer déjà. Ce village était complètement Gucci. Bon, on va se faire un seau directement que je vais remplir d'eau. Hop, voilà. Et d'ailleurs, il y a un villageois qui sort directement de sa maison là, il est en train de dormir. Est-ce que je peux le taper à travers sa maison? Et non, je peux pas. Mais le frérot, il est à l'air libre.
terrible là. Il doit avoir super froid là. Bon, sur ce, on va essayer d'aller dans les grottes, c'est parti. Il nous faut pas mal de fer et aussi il nous faut du diamant. Je sais pas qu'est-ce que cet item nous fait, mais j'ai bien envie de savoir. On a un petit peu de charbon ici, c'est parfait. Ok, il y a une araignée sur moi là, mais elle est dans le sol. Non mais c'est trop. Ok, je crois que j'ai trouvé des trucs cool. Oh purée, il y a un squelette géant là. Vas-y meurs mec, j'ai pas envie que tu me tues mec. Oh, il y a un Enderman géant aussi. Bon, on va essayer de le tuer, mais il est vraiment énorme. Je peux même pas le regarder. Je sais même pas où est-ce qu'il faut que je regarde. Ok, là il aggro sur moi. Ok, là je peux le taper. Oh purée, mais il peut me taper. Ok, faut que je fasse gaffe. Je vois juste ses petites jambes là. Ok. Non mais regardez la taille de l'Underpearl. Bon bah je la prends, c'est parti. Et on a pas mal de fer ici, c'est plutôt cool. Encore du fer, parfait. Ah ouais, mais en fait, il y a vraiment beaucoup de fer dans cette grotte. On a déjà 25 de fer. Bon, je pense qu'on peut déjà commencer à faire cuire nos fers. Hop là, il y a un petit peu de lave ici. Hop, je la prends pour pouvoir la mettre dans un four. Boum, le reste, c'est au charbon. Et hop, ça cuit déjà. En attendant que ça cuise, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus en dessous de cette vidéo. Ah, comme dans la dernière vidéo, les gars, il y a pas de petites occasions de gratter, les gars. En attendant que ça cuise, je vais essayer de choper un flint pour pouvoir me faire un briquet directement. Allez, s'il te plaît, donne-moi un flint. Parfait. Je peux me faire mon briquet directement. Boum, là je peux brûler tout là. Bon, je me calme un petit peu, je sais pas ce qui m'a pris. Hop, un plastron et des bottes. Boum et boum. Oh, mais regardez la chauve-souris. Non, là ça me fait trop flipper. Je crois que j'ai une phobie des chauves-souris en plus. Non, mais même le mini zombie, bah il est plus grand que moi. Oh, mais t'es censé être mini, tu portes le nom de mini zombie. Tu peux pas être plus grand que moi. Ok, ici la grotte elle descend pas mal. On va y aller directement. Hop là. On a même un lac de lave. Ok. Oh, une gigantesque grotte. C'est exactement ce qu'il me fallait. Il faut que j'arrive à trouver deux diamants. Ou si j'arrive à en trouver plus, bah tant mieux. Mais là du coup, je peux bien repérer les Enderman. On a déjà deux Enderman sur nous. Non mais regardez, je suis sur une pile de blocs et les zombies arrivent à être quand même plus grands que moi. Je suis vraiment en train de jouer à Minecraft mais attaque des titans. Bon, on va MLG juste ici. Voilà, parfait. On va faire exploser ce creeper là. Allez hop, vite. Non, non. Waouh. Ok, j'ai plus de vie. Faut plus jamais que je fasse ça. L'explosion des creepers est trop cheatée. Oh là là, il y a tellement de mobs là. Non, 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 non. C'est quoi tous ces mobs? Non. Oh, du diamant. Ok, on a un diamant là ici. Je sais pas si on en a plusieurs. S'il te plaît, dis-moi qu'il y en a un deuxième en dessous. Et non, il y en a pas. Bon, on en a déjà un. Oh, il y en a un deuxième ici, let's go, parfait. Non mais là on est bien, là on est vraiment bien. Non mais regardez-moi la taille des zombies, j'en peux plus là. Ils sont gigantesques là, je vois rien dans mon écran. Non mais s'il vous plaît, regardez-moi tout ça. Mourez tous là, j'en peux plus. Ah, je suis enfin tranquille, je peux récupérer mon diamant. Bon, du coup on a tout ce qu'il nous faut pour crafter l'item spécial. Mais avant j'aimerais me faire de quoi aller dans le Nether. Et oh, ok, parfait, un lac de lave. Avec encore un diamant ici là, on va le récupérer. Hop là, parfait, il y en a même encore un autre ici. Parfait, mais il y en a encore un ici là. Mais non mais c'est fou, le seul problème c'est qu'il y en a tout le temps qu'un seul. Non, là s'il y en a encore un, je vais péter un plomb. Mais c'est pas possible. Bon allez, c'est parti, on va se faire directement bah le portail du Nether. Boum, bam, 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 bim, boum, bam, bam. Let's go. Et on a notre portail du Nether. Bon, on va commencer par se faire un bouclier, on a oublié d'en faire un. Ensuite on va se faire une épée en diamant. Là on est bien. Bon, si je me rappelle bien du craft, c'est comme ça. Boum, ensuite je mets du fer autour et l'item bizarre. Et hop là, on a ça, une méga giant machine. Non mais regardez-moi la taille de cet item. Bon, vous me direz, ça change pas de tous les autres items. Bon, on va aller dans le Nether, c'est parti. Et on va voir qu'est-ce que cet item fait en fait. Et let's go. Wow. Ok, je viens d'arriver. Et du coup je vais essayer tout ça. Ok, ça balance des flèches. D'accord, je sais pas trop ce que c'est, mais j'ai l'impression que mon bouclier il gêne un petit peu à tirer les flèches. Vous savez quoi, on va jeter mon bouclier finalement. Est-ce que je peux en balancer plus? Et non, en vrai ça sert à rien, je viens de balancer mon bouclier pour rien. Par contre ça balance des flèches illimitées et je peux récupérer la flèche. Donc là si j'en balance 64, bah j'aurai un stack de flèches. Ça peut être pas mal, mais en vrai je me dis qu'on a plus besoin d'arc. Et du coup qu'est-ce que ça fait là si je tire là comme ça? Boum. Oh, attendez, mais ça vient de one shot le piglin. Me dis pas que c'est une arme pour tuer les géants là. Ah mais oui, c'est ça. Je sais que les pigmen, si on les tue de un coup, bah ils nous aggro pas. Du coup regardez, hop là, je peux les tuer, ils m'aggro même pas. Mais cet item est incroyable. En plus de one shot, bah il s'utilise même pas. Regardez là, il y a un magma cube ici. Hop là, on le bute. Non mais s'il vous plaît les piglins, je vous ai pas demandé d'être là. Regardez, hop là, tu meurs. C'est trop cheaté. Bon bah on a un item ultra cheaté, c'est plutôt cool. Je me demande bien si one shot l'Ender Dragon. Mais avant, il faut qu'on récupère des Ender Perles. On a un biome juste ici. Je m'apprêtais à y aller justement. Et parfait. Ok, il y a notre premier Enderman juste ici. On va lui tirer dessus. Boum. Oh mince, je peux pas lui tirer dessus. J'avais oublié que les Enderman, on peut pas leur tirer dessus avec les flèches. Vite, il faut que je me cache. Vite, 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 vite. Allez, allez, meurs. Il faut que je le tue. Let's go. Ok, on a deux Ender Pearls. C'est déjà pas mal. Hop là, là-bas, tu meurs. J'ai un magma cube, tu meurs. C'est trop cheaté. Bon, je vais vous épargner la recherche d'Ender Pearls. Vous commencez déjà à connaître la chanson. Je les tue et puis voilà quoi.
Bon, j'ai déjà 14 underpearls, mais c'est assez simple de les tuer. Ah, 15 underpearls, pardon. Je disais, c'était assez simple de les tuer parce que, bah, ils sont géants et du coup, bah, je pouvais les taper de super loin. J'ai eu zéro difficulté. Ah, quelle idée de faire une vidéo avec des mobs géants. Moi, j'ai juste peur de l'Ender Dragon. Je me demande, est-ce qu'il va être énorme comme ça? Parce que si l'explosion des creepers sont géantes aussi, alors est-ce que le dragon balance des géants projectiles? C'est la question que je me pose. Et aussi, est-ce que je one-shot l'Ender Dragon avec cet item? On verra ça. Moi, j'ai hâte de voir. Bon, allez, c'est parti à la recherche d'une forteresse. Non, mais regardez-moi ce nether rempli de géants mobs. Allez, dites-moi qu'il y a une forteresse pas si loin. Je parcourrai la terre entière. Attends, mais je suis déjà niveau 27 en fait. Dommage, j'ai pas opté pour m'enchanter en vrai. J'aurais été surcheaté. Oh, regardez-moi ce géant cochon là. Waouh. Oh purée, je le one-shot pas lui. Oh là là. Bon, là, ça fait vraiment un moment que je marche et je trouve. Oh, ok, du coup, on a trouvé une forteresse. On va rentrer à l'intérieur directement. Et on est à l'endroit des coffres. Ok, on a un blaze juste ici. On va essayer de le tuer directement. Hop là, tu meurs. On a notre première blaze rod. C'est parfait. C'est trop cheaté parce que ça one-shot les blazes. Cet item est indispensable. Ok, premier coffre. Et il n'y a rien d'intéressant. Ok, deuxième coffre. Oh, 3 diamants. On peut se faire des bottes directement. Et hop là. Encore un coffre ici, mais encore 2 diamants. Bon, là, j'ai vraiment beaucoup de chance. Ok, je sors enfin de cet endroit. Et je veux trouver un spawner à blaze. Ok, il y en a un juste là-bas. Oh, mais regardez le spawner à blaze. Il est complètement bugué. Ils sont gigantesques, ces blazes. Non, mais c'est fou. Waouh. Ok, ok, c'est bon. On a déjà. What? C'est quoi toutes ces blaze rods? D'accord, l'item multiplie les blaze rods. J'ai 28 blaze rods. C'est surcheaté. D'ailleurs, est-ce que ça fait un truc si je casse un machin avec. What? Ok, wow. Oh, what? Si je casse, en fait, ça peut me propulser et je peux voler. Oh, c'est méga dangereux ça. Non, mais regardez, c'est quoi ça? Mais je vole. Ok, je suis sur le toit du nether carrément et là, je peux voler comme des Elytra, mais sans Elytra. C'est quoi ça? Ok, cet item, je commence vraiment à le kiffer. Mais mis à part ça, on a 28 blaze rods. On peut déjà se faire directement les yeux de l'end. Boum, boum, on a 15 yeux de l'end. En vrai, on n'a pas tout vu de cet item. Je suis sûr que dans l'end, il peut nous aider. Enfin bref, moi, je vais retourner vers le portail et on va retourner dans le monde réel. Allez, c'est parti. One eternity later. Ok, il est pas si loin normalement. Ok, il est juste là-bas. Parfait, j'ai enfin retrouvé le portail. Je veux aller tuer l'Ender Dragon là. Je veux voir qu'est-ce qu'il fait cet item. Allez, c'est parti, on y va. Oh, ok. Oh, c'est vrai, on retourne dans cette grotte minable. Avec tous ces géants zombies et creepers là. J'en peux plus. Bon, moi, je remonte à la surface à l'ancienne. Je pose les blocs et je casse. Ok, je suis de retour à la surface. J'ai spawn dans un océan. Mais quand je vous dis dans un océan, c'est vraiment au milieu de l'océan. Bon, de toute façon, on a un dauphin juste ici. Donc, on va essayer de balancer une enderpearl. C'est parti. Ok, c'est juste ici. Est-ce que je vais la récupérer? Et non, elle s'est cassée. Bon, petit dauphin, viens m'aider. Allez, hop, tu peux aller 10 fois plus vite. Ça, par contre, c'est trop cheaté dans Minecraft. T'as même pas besoin de bateau. Mais regardez-moi la taille de ce dauphin. Bon, bah, c'est parti pour marcher pendant un petit moment. Bon, allez, j'ai marché pendant un moment. Allez, s'il te plaît. Oh, c'est un peu sur le côté. Allez, est-ce que je la récupère? Parfait. On va réessayer d'en tirer une. Et c'est encore là-bas. Attention. Oh, c'est derrière. Ok, j'ai récupéré la perle. Normalement, je pense que c'est pas hyper long. Ah, voilà, c'est directement en dessous. Oh non, il y a un creeper sur moi. Vite, je me barre. Waouh. Il me reste un cœur. Parfait, ça m'a permis de récupérer ma perle. Bon, on n'a plus le temps. Il faut qu'on descende comme ça en ligne droite. Je sais pas si je vais tomber directement dans le stronghold, mais on verra. Ok. Oh, parfait. Let's go. Je suis arrivé. Bon, maintenant, il faut qu'on trouve le portail de l'end. Allez, Ender Dragon, je suis là pour te tuer. Oh, mais on a trouvé le portail instant. Sans aucune difficulté. Oh, pour la première fois de toute ma chaîne YouTube, on le trouve hyper rapidement. Vraiment. Je viens d'arriver, j'étais juste ici. Et hop, on peut être le spawner. On va poser un lit juste ici, boum. Au cas où si on meurt, mais bon, je doute qu'on meure. Et ah, on est enfin arrivé. Avec tous ces mobs géants, j'avais l'impression de vivre un rêve. Bon, je vais devoir affronter mon destin. Mettez un maximum de likes sous cette vidéo. Bim, 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 bam, bam, bam. Let's go. On peut jeter les autres perles. Et c'est parti, on saute, let's go. Oh, mais regardez-moi l'end. C'est trop bizarre. Non, mais regardez-moi tous ces Enderman géants. Wow, l'Ender Dragon, il est gigantesque. Alors je m'attendais à un géant Ender Dragon, mais un comme ça là, je vous avoue qu'il me fait super flipper. Ouah, je sais pas quoi faire là les gars. Je vais essayer de tirer sur les Ender Crystal. Allez hop, c'est parti, on peut les péter ultra facilement grâce à ça. Non, par contre c'est trop cheaté, je peux vraiment tous les casser facilement. Genre là par exemple dans le petit trou, boum, on le pète. On en a un autre ici, boum, parfait. Oh purée, non 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 non. Il est gigantesque cet Ender Dragon, mais c'est quoi ça? Les Enderman ils font la taille des tours. Ok, mais je crois que ça tire carrément tout droit ce truc. Bon par contre ils balancent des salves là, ils sont énormes ces salves. Ok, ici j'ai la visu sur un, hop là je tire. Bon, je crois que j'ai pété tous les Ender Crystal sauf un, il est juste ici. Par contre j'arrive pas à tirer sur les Ender Crystal à cause de l'Ender Dragon. Allez s'il te plaît. Ok parfait. Tous les Ender Crystal sont pétés. Maintenant on va voir combien de dégâts on lui met. Allez s'il te plaît. Oh mais attends ça va. On lui met énormément de dégâts. Par contre est-ce que. Ok ouais je peux le taper d'ici, parfait. Hop, allez meurs, meurs, allez s'il te plaît, meurs. Je veux
tu meurs. Oh wow. Allez, on peut lui tirer dessus maintenant. Par contre, c'est hyper simple de lui tirer dessus, c'est abusé. Vraiment, je peux H24 le toucher parce que bah il est super géant. Vraiment là, si je le loupe, je suis super nul. Peu importe où je tire, bah ça le touche parce que il est super grand. Mais par contre, sa vie, elle part à une vitesse incroyable grâce à cet item. Allez, meurs, je veux plus que tu sois là. OK, boum. Parfait, on a tué le gigantesque Ender Dragon. Hop là, il est mort. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes et à vous abonner à la chaîne. Rejoignez mon Discord qui est en description. Et sur ce, ciao!